En copie. Oui, ça dépend de qui a mis ça avec les poumons. Il y a des dinosaures qui sont en train de se faire. Il y a des jeunes riches actuellement au Togo. Le client dans ce live ne pas nous donner des nouvelles de personne. Ah, ok, bon. Depuis un moment, disons, je suis vraiment désolé de dire ici, mais bon, je n'ai plus de ces nouvelles. Non, sérieux, je n'ai plus de ces nouvelles, je ne sais pas comment est-ce que ça avance c'est là-bas. Pas son avis. Dès qu'il a un petit souci, tu fuis. Non, je ne veux pas argumenter, mais même dans les cas, je vais dire juste un truc. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous essayez de donner des conseils, parce que moi, c'est un grand frère à moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. La preuve, j'ai eu à faire des erreurs en le suivant dans certaines conditions qu'aujourd'hui, moi-même, je regrette. Sincèrement. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais super bien. Ici, dans la deuxième partie du live de Top Wave PC, de Zagabambo et de Eric MC, dans un premier temps, Bébé et Armel reprochent à Zagabambo qu'il exagère dans ses propos lorsqu'il s'attaque au président, son excellence, Fort Essosimina Nyasimbe. Parce que selon lui, pourquoi il exagère en disant que c'est durant 20 ans de pouvoir que Fort Nyasimbe a exercé, il n'a rien fait au pays. Bref, c'est là Zagabambo aussi poser la question, à savoir, selon eux, qu'est-ce qu'il a fait? Et Bebe lui répondait, soi-disant, qu'il a construit des routes, il a construit quoi. Bref, je vous laisse suivre la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Armel, c'est le bras droit, c'était le bras droit de Papson Moutité. Dans un deuxième temps, Armel disait qu'il regrettait avoir été aux côtés de Papson Moutité. En tout cas, ça m'a fait vraiment un choc dans le cœur parce que Armel était aux côtés de Papson Moutité même jusqu'à la veille de son arrestation pour le commissariat. Parce que je me rappelle bien, j'avais enregistré un live dans lequel Armel était avec Papson Moutité où Papson donnait ses raisons pour lesquelles il avait stopper cette jeune fille au bord, sur la route et lui poser certaines questions et tout. Bref, je vous laisse suivre la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, je suis PC et sur ma chaîne, je rediffuse les lives du jour et de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement. Merci. Ciao. Allez. C'est encore oui. Pire. N'a pas prouvé, non, mais c'est encore non, pire. Non, le pire, on go. Oh, okay. Yeah. Ok, c'est encore pire. Oui, ça dépend de. Qui a mis ça avec les poumons. Il y a des dinosaures qui sont en train de se faire. Il y a des dinosaures qui sont en train de se faire. Il y a des jeunes riches actuellement au Togo. Dadia. Faut les nommer. Alors, sont les cigares. Alors le tigaye, mais quel est nommé où? Faut le nommer où alors? Donc on est pas mal les singassins. Bon, on y a qui là? Nyekuru, maître du baron. D'assis quoi non? Amélie, d'attendre. Amébou, les qui là t'es trop bas. Baba, sois. Amélie, mais là, elle nous connaît quoi? Je ne suis pas d'accord parce que. Amélie, Nyekuru, baron, maître du baron là, on les gauche n'a rien coupé. D'assis quoi non? Attends, mal en droite là. Et voilà, problème moulo. Vivi, arrête. Ame boule, qui la te va mien en combat, on va prouver le coup de là. Oui, il a bu. Bébé, ma. En fait, Zaga, bonsoir. Mon émile avec les gros. Amel, va fier, là. Amel. Oui, Zon, caca. Quand il a changé le parlement, après toi, on va aller. Elle est prison. Vivi, il a son pas. Bon, là. Parlement, il a détruit le parlement, le prince, on va fier. Amel. Le boss. Ouais, je suis là. Ok, en fait, il y a mon. Il y a une question de cas pour me dire la vie du grand frère Zaga. Ok. Bon, vous m'excusez. Hein. Mm. Quand vous attaquez directement le président de la République. Oui. Bon, sur un plan, je comprends parce que vous allez dire pays et nommer ministre Couteau. Bon, je suis d'accord avec vous. Oui. Je vais partir sur un seul exemple que je vais donner, que je donne toujours. Regardez, vous prenez par exemple le ministre, l'ancien ministre, prenons les années 2012-2013. Moi, j'étais à Thivier, l'ancien ministre des Travaux publics. Bon, je ne vais pas donner le nom ici. Le président devait venir à Thivier. C'est le jour-là, ça dit la veille, qu'il prenne le... Mais là, c'est une histoire que tu me racontes. Moi, tu m'as dit que tu voulais me poser une question.
Oui, je viens à ma question, s'il te plaît. Ok. C'est la veille qu'on arrange la route. Parce que le président doit passer. Vous comprenez? Mmh. Et l'année qui a suivi, le ministre qui était à ce poste l'a changé. Bon, moi, ce que moi j'aimerais dire, il y a un journaliste qui a personnellement beau attaquer le président. Sincèrement. Donc, la question que j'ai dit là, base qui dit, bon, encore le tennis, la Libye, Fifi, j'ai dit, pourquoi tu attaques le président de la République? On l'a déglobé à cause de nuit entière, m'a attaqué. Il y a un qui n'a pas dit là. Et nous que Tim laisse attaquer dans fort l'ennemi, tout le monde qui est basé, il a fait un coup d'état constitutionnel. Ok? Tu es d'accord avec moi ou pas? Vas-y, je t'écoute comme ça. Non! Tu es d'accord avec moi ou pas? Non, là. Je suis d'accord. Ah, mais ça, bien, ouais. Ok. Je suis d'accord. Et il y a eu. C'est pas moi qui a dit, hein. Il y a eu plus de 500 morts. Mais après, les Togolais ont laissé. Ils ont dit, c'est un jeune, il vient d'arriver, on ne peut pas prendre les erreurs de son papa pour mettre sur lui, et nanani, nanana, il faut le laisser, il vient des États-Unis, tout ça. Et les Togolais, c'est des gens qui sont très, très, très compréhensifs. Maintenant, c'est déjà très mal parti. On l'a laissé. Il a dit qu'il devait faire deux mandats et laisser le pouvoir. Il a fait les deux mandats. Est-ce qu'il est parti? Oui ou non, Armel? Reprenez la question. Quand il est venu au pouvoir, il a fait un coup d'état constitutionnel. Après, il est resté. Il a dit qu'il allait faire deux mandats et libérer le pouvoir. Il a fait les deux mandats. Est-ce qu'il est parti? Oui ou non? Non, il n'est pas parti. Après ça, il y a eu encore des petits problèmes. Il a fait encore deux mandats. Il est à la fin de son quatrième mandat. Et il est parti ou il est toujours là? Oui ou non? Il est toujours là ou pas? Il est là. Ok. Maintenant, il est là. Il change la constitution. Ce n'est plus présidentiel, c'est parlementaire maintenant. Ok. Il dissout le gouvernement. Les ministres qui sont restés avec lui, Madame Dogbe, Bawara, Yark, tous ceux, Sina Lawson, tout ce monde-là, ils ramènent encore les mêmes têtes dans le gouvernement encore, alors qu'il y a des jeunes comme toi, Armel. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce pays qui peuvent vraiment travailler pour lui. Pourquoi il choisit toujours les mêmes personnes? Et il sait très bien, et tout le monde crie partout, que les gens là ne font rien dans le pays. Mais il continue de les nommer. Parce qu'il fait exprès. Quand un pays va mal, la première personne ou bien le premier responsable, c'est le président qu'on accuse. Oui ou non? C'est le président maintenant qui doit faire le ménage autour de lui. C'est pas à nous de venir faire le ménage autour de lui. Je suis d'accord. Voilà. Tout est clair. Okay, nous n'avons Zaga. Rien contre fort. La personne, sa personne, c'est pas ça le problème. C'est le pays va très mal. On n'a rien qui va. On n'a même pas un palais de la culture. Il est venu, même un hôpital, il n'a pas construit. Même un stade, il n'a pas construit. Zaga, je vais te rectifier mais, un peu. Frérot, c'est fini. On est fatigué. C'est quoi ce gouvernement? Zaga. Je suis ici, hein, j'ai pas eu à faire des grandes études où je te jure qu'on me nomme. Hein, on me nomme juste ministre de la culture. Vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez voir un grand changement parce que je vais faire un travail, un vrai ménage autour de tout ça là. Même si les gens disent, oh, tu vas voir, il parle seulement, viens. Hey, c'est la volonté de voir son pays évoluer. On me nomme dans tout ce qui est culturel, frérot. Parce que ça, c'est mon domaine. Mais on ne va pas prendre un gars comme Lamadoku pour mettre ministre de la culture qui ne connaît rien de la culture. Ce monsieur, j'ai parlé avec lui, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Peut-être qu'il sait lire, il a les diplômes, il a les trucs, mais il ne connaît rien. J'ai parlé en 10 minutes que j'ai parlé avec lui, il ne connaît rien. Voilà. Mais il était là-bas pendant 2-3 ans. Au même moment, il y a Eric MC
qui a passé toute sa vie à faire de la musique, à faire des luttes pour la musique, le hip-hop nanani nana, qui est là, qu'on ne nomme même pas au Bitodra, le directeur de Bitodra. Il y a les Tamakim Tutu, qui sont les anciens, les Jerry Katanga, les Tonton Jamel, les Dieudonné Kevin, les tout, mais Dieudonné Kevin, lui, j'ai pas confiance. Comment on appelle? Il y a plein de personnes. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut. Il y a Carlos Danclou. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut nommer. On n'a pas besoin d'un diplôme pour être ministre de la culture. On s'en fout complètement. C'est la volonté de voir son pays évoluer. Et malheureusement, dans mon pays, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à leur ventre. Leur ventre là seulement, là, c'est ça qui les intéresse. Y compris tous les ministres. Je vous dis que je connais un jeune, il vient juste d'être nommé dans un truc de OTR. Il est en train de construire des immeubles partout, Baguida, Vepozo, Pali, mais il gagne l'argent où? Mais c'est mon pote, hein? Moi, mais je sais que c'est un voleur. Mais le gars là, tu lui demandes même 200 000 pour financer un clip, il n'est pas prêt. Mais il est prêt à aller construire des maisons, mettre les filles dedans, venir acheter des maisons ici en Europe. Et... Mais frère, quand tu vois ça, les gens dilapident l'argent du pays. Ils volent, ils ne peuvent même pas bouffer ça. Ils peuvent même pas investir dans le pays. Ils investissent dans d'autres pays. Vous savez pourquoi les présidents ne veulent pas quitter la CDAO pour aller dans l'AES? C'est pas parce qu'ils ont peur de la France ou ils ont peur de quelqu'un. Non, ils ont peur des biens qu'ils ont ici en Europe. Parce que s'ils décident de rentrer dans l'AES, automatiquement, ils n'ont qu'à oublier. Tu vas voir demain, ça va se dire, oui, détournement de temps. C'est ça qui les fait peur. Parce qu'après, ils ont beaucoup d'argent dans les comptes ici, qui dorment. Frérot, on veut évoluer, on veut voir l'Afrique évoluer, mais vraiment. Et même si on doit faire la guerre pour ça, on va le faire. On va faire. C'est la vérité. Donc, c'est le moment. En fait, j'adore. Na togo to onewa wa kwa ke togo to onwa to le kwa vérité nom le dira accepter au change, je m'en fous, mais moi je vais dire quand même jusqu'à ce que les gens puissent comprendre que voilà, là il est temps que voilà, nous aussi la miacha mia onde et miacha mirola nyinde miacha mia wodote miacha mirola inko ntron bene togo ke le nyoa ati so kegen ke mele kwa le togo kudo bien avec culture et là ke no tinya ke no nimba simi do talent on to bang bang, mais il y a toujours des traits qui voient la vérité comme ça devant eux, mais qui disent que non, c'est pas ça, fort et bien, mais il n'est pas bien. Ok, Zaga. Merci. Zaga, au discours, et nous qui va pour arriver là, lorsque Fort était venu en 2005, et bien, il a terminé, il est tombé mandat, ni il a plané, nous, on a combien de deux mandats, et toi, un mandat avait terminé 3 ans. Il est à Gboiboko, ton co accepté. Mais ouais. L'histoire du Togo. Bon, Armel, donne-nous des nouvelles de ton président. Grand frère, ton gouvernement, on va y aller à Sofia. Attends, comment tu peux venir dans ce live ne pas nous donner des nouvelles de Papson? Ah. Ok, bon. Depuis un moment, disons, je suis vraiment désolé de dire ici, mais bon, j'ai plus de ces nouvelles. Non, sérieux, j'ai plus de ces nouvelles. Je sais pas comment est-ce que ça, donc, ça avance c'est plus là-bas. Pas son avis. Dès qu'il a un petit souci, tu fuis. Non, je vais pas argumenter, mais même dans les cas, je vais dire juste un truc. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous essayez de donner des conseils, parce que moi, c'est un grand frère à moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. La preuve, j'ai eu à faire des erreurs en le suivant dans certaines conditions qu'aujourd'hui, moi-même, je regrette sincèrement. Et la personne elle-même décide de couper les liens avec toi. Moi, je vais pas forcer à tout en essayant de m'approcher d'elle. Tu as complètement raison, Armel. Tu prends ta route, tu n'es pas né avec lui. Tu es venu dans le monde tout seul, tu vas aller tout seul, tu vas t'en sortir tout seul, tu n'as rien à foutre de lui. C'est ça la vie. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je refuse pas, j'ai commis des erreurs par le passé, vous m'avez jeté des pierres, tout ça là, quoi, mais il faut que vous sachiez que dans la vie, tout le monde n'est pas droit. Des fois, il faut tomber, se relever. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ne regarde personne. Les gens sont comme ça. Les gens sont là à juger. Ils ont plus de problèmes que nous tous ici. Et ils sont là à juger les autres. Mais le vrai problème se passe dans le pays. Et ça, quand tu parles de ça, tout le monde fuit.
Les Togolais fuient au OMK, Osina Zirka. Ah, non, on n'est pas encore avec Jumia pour les Kenya ou nous et nous là. La frère, comme si. On va éviter ou alors. Affaire à un peu volo. Zaga va faire là. Donc, de toute façon, on va toujours en parler. Ouais. Et bah, je... Inbox. Bah, j'ai regardé. Coup de dormir avec mon côté et Inbox. Ok, merci. Yo. À plus tard. Bon courage à toi. Ciao. Merci. Yo, madak, bena. Gaffe, Eric MC, merci. Non, Chassia. Donc, Nya, je te vois devenir vraiment un grand frère qui va s'occuper de beaucoup de choses. Et Nya, me dit, mais nous, la tête s'approcher, non, madame Kenny, ministre de la Culture, finir, elle a été bénéficiée d'un peu conseil au Bourinto. M'dit, bena, m'ba no kudo ameko na ni kwa mwarasan. Non. D'abord, directrice spécialement, na. Awa, Madame Yawa et... Kuiga. Madame Yawa Kuiga. D'abord, je dirais spécial. Le Valekea, il y a un ministère de la culture, il a changé le domaine de Pekpemi. On a écarté les photos et a nous et nous vedoutons et nous qui avons produit, écarté ou que normalement, ministre de la culture, il y a que Joe Leke, grand frère, comme si normalement, il a rendu compte dans le bureau à toi, compte à qui. De A à Z. Allons, Nadia, grand frère. Grand frère, quel monsieur a démuté? 2022, be fondé da. Et bon, koumene be sawo, graphiste do lycée be pali. 2023, ta e ma fifi. 2024, ta e bon, koumou, amelepe n'kose be nya kakavana ego. 2023, e be. Normalement, re, normalement, le djouan me re, et c'est. Et on l'a trop à compte à coup de cas. On l'a pas de toi qu'elle a une prison de l'homme. Oui, voilà. Là, on dit qu'il y a président d'association pour FTM. Où est la bio? Bon, on m'a été bio. On doit beble. Ah, et bon. On doit beble. On doit beble. Donc, à gouvernement, on a soit un grand mentor. Et moi, je suis un grand mentor, bio, on l'a forcé, on l'a manifesté. A qui sont-ils en train de faire? Parce que à qui sont-ils en train de faire? Je suis en campagne avec les gens. Ah, il y a des cas qui sont. Bon. Non, frère, à passer sur la nuit, tu as mangé assis de Niachi. Avec les gens qui sont en campagne avec la collab, est-ce que la campagne est gagnée? Ben, il y a. Kale, dans six mois, il y a un peu de temps. 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 Il y a Et comme si, Imbosia. Imbosia pour vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Amédébé, et comme si, si beaucoup à l'homme, va m'dounoui, n'yeroui. Ok, bye bye. Ciao. Ah, bye bye, Gafre, bye bye. Ouais. Mon foie, Marujio, Mia, ouais, ne faut confier, bye. Bye, ne faut confier. Maté, Boudinho. Bye. Yo, chef, merci. Grand frère Tommy, il n'y a rien de là que pour toi. Hein? La game, hein? Alors, tu vas un papel. Et je l'ai bien arrivé. Est-ce que. C'est un gars, à mes 500 dès que les commentaires à Mirai, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi qu'il y a un grand travail que nous devons faire nous-mêmes, les Togolais? On y a un qui a. On peut par exemple combattre avec Zaga si t'es le roi. Hein? Je vous assure, il peut se mettre en coalition avec des gens qui vont vouloir travailler. Amédéka, les gars, si téléphone. Tout ce qu'ils vont se dire entre eux là-bas, là, il va aller vendre la mèche. Juste pour qu'on lui remette des pots de vin. Allô, pour qu'on lui donne quelque chose. Mais, et là, sous l'air, il y a pour deux, quoi. Au fait, moi, je trouve que c'est ça le problème du Togolais jusqu'à maintenant. C'est ça le problème du Togolais. Il y a un d'abord. Gomado, le gouvernement, mais que je vais faire bouillon. Non, c'est ça.
Ever bonu fifia Théodore Théodore mais pourquoi je viens de voir ton commentaire, pourquoi tu disais qu'Armel le dirait? Allez, Armel doit qu'Armel le pompom laisse à Kafla il y a combien de blocs qui m'ont elle est bon il y a combien de blocs il y a un jamais c'est quoi quoi c'est bien là on a un groupe, on a organisé, on a s'organisé. Il y a Américain avec sa mère, je crois. Au coup, Zaga vient à Fusien. Mais c'est Zaga qui vient à l'eau. Pardon, nous la pompons, mais la pompons, nous la claque-bas après. Les claques-bas, les claques-bas. Zaga qui vient à l'eau, qui est en train de se faire. Fusien, il y a un qui est pas. Bon, dans 20 ans, si vous voulez que Zaga bleu, une toque. Amel, de toi à moi, je l'ai interpellé aux Zika. De toi à moi. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Yannick, je vais bien m'en épée. Bois. Amel, tu as la pompon, mais je ne sais pas. Mais, Amel, il y a les contre. Il y a pouvoir en place. Amel, il y a des problèmes. Il y a les gens Novara à poser question. Hein? Kudo bebe nke se ba les gens non les noirs mais au be fort nous que fort on ma saga hein Théo Théodore après on tole fun nous ça après vi obere ke ba le bio be na re o be we be fort on nous fort on a ami e mille attaquer ma on a que me boy dans 20 ans mais matin bon là fort pour on dit que pour les elle a fait mingo là on be dans 20 ans oh OK peut-être que même les biens questionnent Yoro. Oui, Vivian, une est trop. Et nous qui est trop. Et nous qui est bombé, et nous pouvons gagner fort après. Adolé ou Togo Vio. Adolé ou Togo Vio, quoi. Vivian, fort à l'équivalent. Et moi, deux, mon vilain ami de Joabéaro. Et on est, Gambé. Bon, les 20 ans, mais moi, on est qui est là. Ok. Et Godé, voyons, Bigaro. Et toi, mon ami. Problème les cas que les Togouaré et dans toutes les dictatures, c'est la fin. Il faut affamer le peuple pour survivre. Mais oui, justement. Et là, c'est normal. Ok, grand frère, c'est nous. Et nous, on t'y déblouvé. Et nous, on t'y déblouvé. Peut-être que mieux, on est bien question en euros. On sait combien. Ok, oui. On découvre quoi, grand frère? On découvre quoi? Bon. À part qu'on dit que les tocs, on découvre quoi d'ici qu'on dit bois? Yo, à la tia. Qu'on dit à la tia, oro, qu'on dit à la tia. Fiqué, et bien, monseigneur, Barika Koule, il soit là. Qu'on dit à la tia. Oh. Au côté. Ok, j'en fais un petit. Donc, à fort, allez. Mimi d'Akmine. Oui, Niamoule, bon, ben à fort, donc on dit le job. Et nous, Niamoule, d'accord, mais et nous, sous bon, les togo, au rao. Non, j'en fais un togo, oui, aux égards, bien.